Et salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour la suite de Silent Hill 3 avec Heather. Je sais déjà plus comment on joue. Ah si, c'est bon. Alors, on était dans le métro. Il y avait un bruit extrêmement inquiétant et je sais pas du tout où je joue. Oh, c'est cool ça. Où je dois aller? Yeah! Des balles de pistolet! Le verrou est cassé! Oh, c'est quoi qui fait ce bruit, quoi? Oh, j'ai peur. J'ai horreur de ces plans de vue, quoi. Ça est gentil dans toute sa splendeur. Bonjour, je ne vois rien du tout. Je sais même plus... Voilà, le problème, c'est que, comme une noob, j'aurais dû regarder l'épisode précédent, comme ça... Ah, il y a une sauvegarde ici. Comme ça, j'aurais su... Enfin, j'aurais reçu, du coup, où il fallait que j'aille. Sauf que... Eh ben, je l'ai pas fait. Du coup, je me rappelle plus où elle m'a dit que je devais aller. Heather. Vous vous rappelez? Du coup... Oh, monsieur mignon. Boum. Boum. Vision, merci. Oh putain. Et du coup, je suis complètement perdu. C'est génial. Exit. Oh, je sais pas où je vais. Mais pourquoi ils ont fait un truc aussi grand, quoi? C'est juste pour qu'on se perde, en fait. C'est des gros sadiques. Ils se sont dit, ah bah elle va se paumer. C'est Nao. Donc on va lui foutre un endroit bien grand. Je sais pas où je vais. Ah. Les chaînes qui bloquent les portes sont calées par un boulon et un écrou. L'écrou est trop serré pour être desserré à la main. Est-ce que j'aurais un truc me permettant de desserrer ce machin? Dis donc, je suis pas en pleine forme, moi. Tiens, à mieux. Non, c'est pas là. Objet. Alors, une clé... Non, j'ai rien du tout. Okay. J'ai rien du tout. Alors vous aurez peut-être une transition du coup le temps que je trouve. Oui, il faut que j'aille parce que voilà quoi. À tous les coups, bah c'est l'endroit que je viens de trouver qui est fermé. Ça semblerait assez logique d'ailleurs. Mais du coup, où est-ce que je vais trouver le truc me permettant de desserrer le machin? Il fait bien noir ici. Oh putain. Putain, je vois. Ah oh putain, l'enfoiré. Il m'a fait tellement peur! Secours! Déjà, il n'y a plus la musique, il a disparu. Il est où? Ah, il est là! Oh putain, il y en a deux! Aïe! Putain! Ah! Pas possible! Bon, je suppose que. Je dois être sur la bonne voie! Tiens! T'as un petit coup de pied, un petit coup de pied, un petit coup de pied! Tiens! Il est où l'autre? Je sais, je suis en train de gâcher mes balles sur des chiens, mais ils sont tellement relous que... Je préfère faire ça comme ça, tant pis. Il est où? Wouh! Crève, bordel! Ils sont incre... Ah! Non, mais lâche-moi le genou, bordel! Putain, leur attaque, elle dure 3 ans, quoi, à chaque fois. C'est quoi ce bruit? Les ordures qui est là, yep, 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 yep. Allez, dites-moi qu'il y a un truc ici, hein, parce que si j'ai usé mes balles... Oh, bordel de merde! Si j'ai usé mes balles pour rien, ça fait chier! Ça fait chier! Cours! Okay. Putain, mais. Je peux encore descendre? Je suis en train de me paumer. Ah! Ah! Mais vision, merci. Des ordures bloquent le passage. Il y a un bord aussi, ou c'est moi? Ou un SDF? Ouais, j'ai une boisson revigorante. J'ai une balle et pistolet. Et. Non, attends, il y a un autre truc là, ouais. Et attendez, ça, je peux pas le. Non, la boîte là qui est devant moi, non? Ok. Ok, ok, alors faut que je trouve un truc pour. Putain! Je chante de vision. Pour desserrer le bordel. Mais attendez, je suis venu ici que pour des bonus. Bonus! C'est gentil, mais.
Ça fait chier quand même. Qu'est-ce qu'il y a par là? Attendez, il y a encore des trucs. Ah bah voilà. Non mais. Non mais ça là. Ça. Non mais quand même. Ah voilà. J'ai un casse-noisette. The fuck. Qu'est-ce que je vais foutre un casse-noisette? J'ai plus ma noix en plus. Pourquoi? Attendez. Quick save. Pourquoi ils m'ont filé un putain de casse-noisette? Un putain de casse-noisette. Je sais même plus d'où je viens. Ah non. Non. Putain, il y en a de partout. Ils ont pop. Ah. Je crois que je venais de là. Putain, mais ce jeu, on se fait agresser. Ah non, j'ai cru que c'était un truc. On se fait agresser, mais alors d'une violence. Est-ce que je peux ouvrir la porte avec mon casse-noisette? Je sais, c'est une question super con, mais là, j'ai pas d'autre idée, donc... On essaye, hein, ça coûte rien. Putain, j'ai encore perdu de la vie, quoi. Il est où? Putain, c'est ça, en plus. J'ai utilisé le casse-noisette. Ok. Attendez, je vais rapidement me soigner, parce que j'ai un peu bouffé, encore. Ok, petite quick save, hein, on mange pas de pain. Je suppose que c'est par là du coup. J'espère. Bah, si vous entendez des bruits derrière moi, c'est mes chats, hein, pas de panique. Je suis désolé, mais je peux rien faire pour les calmer. À part. à part les tuer lentement. Oula, attendez. Ah! Faut que je rentre dans ce métro là? Attendez, y a pas d'autre truc à voir, je peux louper. Kiki, dis-moi que c'était toi. Non, apparemment, c'est pas mon chat qui a fait ce bruit. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Attendez, il y a peut-être un truc là-bas. Je veux pas y aller. Je... Merde. Non, non. Vu le bruit que j'ai entendu. Et je peux descendre encore ici. Bon, on va essayer d'entrer dans le métro. Quick save. Non, Heather, le poteau, ça marche pas. Ah, y'a quoi là? Je vois rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Cartouche de fusil de chasse? J'ai pas de fusil de chasse, hein, rassurez-moi. Non, j'en ai pas, hein, il semble pas. Attendez, putain, je vois rien du tout! Non mais! Doucement. Doucement parce que je vois rien. Oh! Et bah voilà, un fusil de chasse. Un paquet cadeau? Est-ce un cadeau d'anniversaire? Non, je ne crois pas. Aucune de mes connaissances ne m'offrirait quelque chose d'aussi dégoûtant. Mais je vais le garder, ça peut servir contre les monstres. Attendez, je viens de ramasser le fusil, il y a un monstre qui vient de popper là. C'est une grosse blague, hein. En fait, c'était qu'un endroit bonus, ok. J'ai compris! Putain, vision, je vois rien! Pas possible. Oui? Qu'est-ce que... Oh putain, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il a bougé, il a bougé, il a bougé, il a bougé. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est plus que vivant. Ah, il me charge! Il me charge! Genre... Attendez, 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 stop! C'est quoi ce monstre? Bon, on va prendre le fusil, hein. Ça me paraît être une bonne idée. Vas-y, rapproche-toi, parce que je crois que je suis trop loin, là. Non, tu me charges... Tu me charges pas. Tu me charges pas. Putain, mais c'est... C'est quoi ce truc? Tap, tap. Tiens, oh, oh, oui, exactement. C'est parfaitement le bon endroit. D'où il se relève. T'as pas le droit. C'est pas juste. Tiens. Putain, mais c'est... Quoi, c'est... Recharge, putain. Quoi, c'est immondice! Coup de pied! Dans les jambes! Enfin, entre les jambes! Enfin, vous avez compris, quoi! Tiens! Bourrine, 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 bourrine!
Ah, mais c'est ignoble! Il s'est dégonflé comme un... comme une poupée gonflable ou je sais pas quoi. C'est magnifique. J'en pars par où, moi, du coup? Ah là là, je suis paumé. Redescendre, hein. Je crois pas être passé par là. Attendez. F5! Vision, bordel de merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est encore des détritus. Ça, mais c'est le bordel, ce métro, hein. Des escabeaux et des brouettes! What the fuck, quoi? Tout va bien? Ok, j'ai compris. Alors. Hein? C'est juste une issue de secours, elle ne mène nulle part. Ok. Ouais, bah, tout le monde sait que les issues de secours, ça mène nulle part. Hein. Je dois aller où? Comment dire que je suis extrêmement paumé là? Je suis extrêmement paumé. Et puis visiter le métro, c'est pas non plus mon grand kiff. Donc bon. Ah, c'est peut-être là où je dois aller, non? Dites-moi que c'est là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Y'a rien dans les poubelles là, ils laissent pas des. Des. Oh! Oh! T'as mal les chiennes? Ah! Je suppose qu'il faut que j'aille chercher cette porte. Ouais, je vais la prendre avec moi. Le verrou. Mais c'est quoi ce piège? Je suis morte? Ah oui, je suis morte. C'est quoi ce gros piège, quoi? Non. Ok, bon. Je pense que ça doit être celle-là. Putain, mais ce gros piège, on nous met un beau plan de vue. Regardez, vous pouvez descendre sur cette trame, machin et tout. Et voilà. Oh merde, j'ai pas pris les quick save. Elles ont pas marché, mes quick save? Ok, donc, du coup, j'ai dû recommencer, hein. Donc, nous revoici ici. Je pense que, du coup, c'est pas une super bonne idée de descendre. En fait, je pense qu'il faut peut-être trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Je ne sais pas encore comment. Et après, on pourra descendre et vite se bouger le cul avant que le métro arrive et nous écrase. Un truc dans ce genre-là, hein. Par contre, où est-ce que c'est? Oh putain! C'est pas possible! Oh là là, mais... Avance! Cours! Putain, mais... Ah, mais c'est l'anarchie, au secours! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est sans issue. Ah! Non, tombe pas, tombe pas. Je... Au secours! Non mais c'était quoi cette musique quoi? Je monte ou je redescends? On va monter hein! Putain mais c'est quoi ces escaliers de malade? Attendez, je vois rien, t'as la caméra! Caméra! Caméra, caméra! Je suis complètement paumé, c'est un truc de fou! Vous imaginez même pas à quel point je suis paumé. Attendez, on va repartir en arrière en fait, et je vais plutôt descendre de l'autre côté. J'aime pas ce niveau. Je suis trop perdu, et cette caméra est hyper relou. Je crois que c'est par là, hein, il faut que je descende. Ok, alors, où suis-je? Ah! Des bonus! Ok. Attendez, il n'y avait pas un truc là? Contre. Là, genre, c'est quoi ça? Ah, c'est un téléphone. Je ne peux pas utiliser le téléphone. Ah! Bon, qu'est-ce que je dois faire alors? Au secours! Est-ce que quelqu'un sait ce que je dois faire? Au secours!
C'est pas possible. Putain, mais avance. Putain, mais cet endroit, c'est horrible, quoi. Alors, attendez. Ah bah, je suis de l'autre côté. Là-bas, il y avait les chiens et tout, je crois. Je sais absolument pas ce que je dois foutre. Est-ce qu'il faut que je traverse? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Vous savez quoi? On va s'arrêter ici. Je sais que l'épisode n'est pas très long. Encore une fois. J'ai jamais le temps. Quand c'est Silent Hill 3, j'ai jamais le temps. Je ne sais pas pourquoi. Enfin voilà. J'espère que l'épisode vous a plu quand même et tout. N'hésitez pas à le commenter, le partager et le liker. Et moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures avec Heather. Bye bye! Parce que ça, mais... Oh putain de merde! Ça... Ah! Ça, je le sentais trop... Oh putain, je vais mourir. Oh putain, je vais mourir. Ça, je le sentais trop arriver, quoi.